Hi everyone, and welcome to French Stories. Here you will find stories for every level from beginner to expert in order to improve your French listening skills. I will upload videos every Saturday morning so that you can get new content every week. Please subscribe if you like this kind of videos and do not hesitate to comment and like if you want more. In beginner level, the story will be read one first time at natural speed. Then I will read it again slowly finally i will read it one more time at natural speed so that you can see how you understood it do not hesitate to play it again of course if you missed some words and please feel free to comment if you have any question on the story this is beginner story 4 le petit déjeuner le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée il faut manger des céréales un fruit un produit laitier et une boisson. Quelle céréale dois-je manger Tu peux manger du pain ou bien d'autres céréales. Par exemple, les flocons d'avoine sont très bons pour la santé. D'accord. Et plutôt que manger un fruit, puis-je boire un jus de fruit Oui. Il est possible de boire un jus de fruit, mais il doit être 100% pur jus. Super et pour le produit laitier et la boisson, que doit on manger? Le lait ou le yaourt sont de bons produits laitiers. Pour les boissons, le thé et le café aident à se réveiller. Tu peux en boire tous les matins, et sans sucre, c'est mieux. Merci beaucoup pour ton aide. Souvent, je n'ai pas le temps de manger le matin, donc je bois juste un café ou un verre de jus d'orange. Je vais essayer de mieux manger. Tu as raison. Et si tu n'as pas le temps, emporte au moins un yaourt, un fruit et une barre de céréales dans ton sac. Après une nuit sans manger, le petit déjeuner est très important. One more time. Slowly. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Il faut manger des céréales, un fruit, un produit laitier et une boisson quel céréale dois-je manger tu peux manger du pain ou bien d'autres céréales par exemple les flocons d'avoine sont très bons pour la santé d'accord et plutôt que manger un fruit puis-je boire un jus de fruit oui, oui. Il est possible de boire un jus de fruits, mais il doit être 100% pur jus. Super! Et pour le produit laitier et la boisson, que doit-on manger? Le lait ou le yaourt sont de bons produits laitiers. Pour les boissons, le thé et le café aident à se réveiller. Tu peux en boire tous les matins et sans sucre, c'est mieux. Merci beaucoup pour ton aide. Souvent, je n'ai pas le temps de manger le matin, donc je bois juste un café ou un verre de jus d'orange. Je vais essayer de mieux manger. Tu as raison. Et si tu n'as pas le temps, emporte au moins un yaourt, un fruit et une barre de céréales dans ton sac. Après une nuit sans manger, le petit déjeuner est très important. Again, at natural speed. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Il faut manger des céréales, un fruit, un produit laitier et une boisson. Quelles céréales dois-je manger Tu peux manger du pain ou bien d'autres céréales. Par exemple, les flocons d'avoine sont très bons pour la santé. D'accord. Et plutôt que manger un fruit, puis-je boire un jus de fruit Oui. Il est possible de boire un jus de fruit mais il doit être 100% pur jus. Super. Et pour le produit laitier et la boisson, que doit-on manger Le lait ou le yaourt sont de bons produits laitiers. Pour les boissons, le thé et le café aident à se réveiller. Tu peux en boire tous les matins et sans sucre, c'est mieux. Merci beaucoup pour ton aide. Souvent, je n'ai pas le temps de manger le matin, donc je bois juste un café ou un verre de jus d'orange je vais essayer de mieux manger tu as raison et si tu n'as pas le temps emporte au moins un yaourt un fruit et une barre de céréales dans ton sac après une nuit sans manger le petit-déjeuner est très important thank you so much for watching please like and subscribe if you liked this story and see you next week for another one à bientôt